Hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Tout est calme et tout va bien. Ah, la petite se réveille. Qu'est-ce que c'était toi, nouveau bébé? Excellent jour férié, vêtements chauds, oh là là, je suis heureux, oh mon Dieu! On va pisser un coup, tiens. Pour votre connerie, tiens, tu vas réparer ça aussi. Quoi, Zorbs? Tu sais pas t'occuper de ta gosse? Hein? On t'a là que pour ça, hein, saloperie. Donc, bah écoutez, hein. Oui, non, je vais dire, il y en a un qui est levé, c'est qui celui-là? C'est Gisèle, hein, ah, oui. Ouais, et après, retournez au lit parce que vous. Ouais, ça va, mais. Oh là là, gerbe. C'est fou ça, qu'il soit joueur. Oh, Gustave. Ouais, oui, Gustave, il va déménager. Hein. Il faut que je le fasse bouger de la maison aujourd'hui. Parce que voilà, il est marié maintenant. Donc, il va vivre sa vie d'homme marié avec sa femme. Et il nous restera que Germaine qu'il faudra qu'on case. D'ailleurs, Germaine, elle grandit quand? Dans 4 jours. Comme ça, on pourra aussi s'en débarrasser. Ouais. Les amoureux sont déjà debout. Ah bah, devenez meilleurs amis. Ah bah oui, quand même. Voilà, meilleur violoniste et tout le tralala. Oh, essaie de faire un bébé. Bah oui, dis donc, on va... Comme ça, on est sûr. On est sûr. Moi, je veux que chacun de mes enfants ait une descendance. Oui, à chaque fois, ce début de musique me fiche. Hein. Ça me fait peur à chaque fois. Ils sont fous, les Sims. Hein. Voilà, une magnifique tenue de dodo, on est d'accord. Hein. On reviendra pas là-dessus. Fais-lui refaire un petit bébé, et puis après, tu pourras aller manger, hein, Gus. Je pense que... Oui, ça fonctionne. Allez. Troisième round, ou quatrième, je sais déjà plus. Pour le bébé de Gustave. C'est sûr, c'est que ce sera un roux. Sinon, il y a tromperie sur la marchandise. Et Germaine. La valeureuse Germaine qui, elle, va à l'école. T'es, mais t'as grossi aussi, toi, c'est ouf. Eh, toutes mes femmes, elles sont gras du cul quand même, hein, je tiens à le dire. C'est pas voulu, mais en tout cas, bravo Germaine, termine un projet scolaire. Bah oui. En tout cas, elle mange bien chez moi. On peut pas dire qu'il mange pas, hein. Ouais. Passe pas trop, hein, ta grossesse, ma petite. Tiens, tu vas nettoyer quand même, faut pas déconner non plus. T'es pas ici pour saloper toute la baraque, hein? Ah mince, y a plus d'électricité. Ah ben, je sais pas. Oh, moi qui avais de la facture à payer, j'ai pas fait attention. Mais... Allez, 5 000. Ouf, ça va, on a encore un peu de marge. Hein. Les plantes de Pierre-Nard nous ont bien aidés. Mais pour l'instant, faudra vraiment qu'on s'y mette à faire gagner de l'argent. Ah, bah d'ailleurs, on a Albert qui va aller taffer, non? Dans 2 jours encore, ça va. Pas dans 2 jours, demain. Pas aujourd'hui. Il a fait ce qu'il fallait, tout ça. Ok, c'est très bien. Et Madame de Saint-Paul, nouvelle du nom. Sympa. Oui, mademoiselle a du style. Enfin, Madame a du style, attention. On rigole pas avec le style, hein. On ne rigole pas avec le style. Mais quel joli bug. On a Gustave. Il me fait peur parce qu'il est hystérique et il pèle de la neige sans pelle. Donc, tiens, tu vas apprendre le courrier. Oh, vas-y. Tu me fais peur, Gus. Sérieux, tu me fais très très peur là. Non, 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 tu rigoles pas. Attends, moi je rigole pas là, je suis sérieuse, hein. Tu vas appeler ta femme là. Il faut que tu te calmes, à un moment donné. Il y a un miroir quelque part là. Essaie de se calmer. Ah ouais, parce que là, c'est pas possible. Il me fait super peur. Sophie est déjà là. Bah, elle est où? Ouais, mais elle va dans tous les coins du monde et elle dit qu'elle est là. Hein, donc, jusqu'à preuve du contraire, elle y est pas. Tu te calmes, Gus? Puis, il est mort. En fait, je sais même pas comment il se voit dans le miroir, hein, parce que bon, faut être honnête. Hein. Mais pff,
va se calmer. Regardez, c'est bon, ça le calme un petit peu. Tant mieux, parce que là, ouh! Il me fait peur, hein, ce gamin, il fait peur. Félicitations pour ton mariage. Mais oui, mais t'étais là, cocotte. T'es bête ou quoi? Voilà. Ouh. Lui aussi, il faudrait que je le calme un peu parce que il m'a l'air très. Mais il m'a l'air un peu trop joueur à mon goût. Je voudrais pas les perdre aussi bêtement quand même, ici. Alors, Sophie Lambert. Arrête avec ta neige, toi. Niveau compétence 4 pour Marguerite. Alors, enlacée. T'es pas encore enceinte? Tout de moi, non? Et hop! Au lit! Mademoiselle, madame. En plus, elle est chaude comme la braise. Que chat. Parce que là, il faudrait peut-être que. Hein? Qu'on t'engrosse quand même! Sinon, qu'est-ce qu'on va faire, nous, de notre vie? Il est très heureux, mais il faut que je le calme aussi, parce que sinon, lui, il va. Hein? Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la petite qui est. Qui joue avec. D'accord, qui joue avec les meubles. Mais arrête de manger du gâteau! Tu vas devenir obèse, Albert, là. Arrête avec ton gâteau! Oh, elle pète l'autre, là! Non, mais dis! Mais quel gros. Ah, oh, bah. Elle sait pas encore aller au pot. Non! Super! On manque à tous nos devoirs. Tu vas manger ça. Toi, mon petit. Est-ce que tu peux. Tu peux pas encore. Créer des jingles, des machins, des trucs comme ça, là, pour qu'on gagne des sous. Donc, tu vas te consacrer à ta passion du piano. Oui, mais on s'en fout, je t'ai pas demandé de parler à ta mère. Mamie, oh, tu fais chier aussi, hein, Jojo. Maintenant que t'es vieille, on veut plus de toi. Oh non, je suis horrible. 101 jours! En plus, je vous rappelle que je l'ai fait vieillir prématurément quand elle est devenue. Pour la mettre adulte. Putain, mais ils sont en train de faire crac-crac là. Oh! Ouais, vas-y, ramène. Et bon, elle est déjà à 101 jours, donc elle aurait pu être au moins facilement à 110 jours, je crois. Je dis une connerie, mais au moins ça, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont à devenir un très très joueur hystérique et tout, là? C'est bon? Alors, elle est où ta pote, à toi? T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Mais, d'accord. Ouais, bah amuse-toi, t'as raison. Qu'est-ce qu'il y a là? Très triste. C'est le moment de porter noir et une saute d'humeur. Ok. À froid. Bah oui, mais t'as qu'à te mettre tes fringues de. Je vous jure, ils sont cons, ces Sims. C'est quand même, il y a quelque chose. Hein. Bon, ça y est, t'es enceinte? Il est tellement heureux, lui, on peut pas faire grand-chose, là. Allez hop, on va remettre ça un bon coup et puis après ils pourront déménager parce que. Ah! Non, il a froid. C'est au moins ça de positif, hein. Tous les trucs qui sont pas bons, en fait, ils sont positifs. Maintenant, mais je sais pas, ils sont vachement. Enfin, je sais pas, ils ont l'air d'être hystériques tous là. Je sais pas ce qui se passe. Ça me fait peur, moi. Je veux pas qu'ils meurent, moi, mes petits Sims. Oh là là! On a encore l'exhibitionniste qui aime courir en petite tenue. Ouh là là, ouh là là. Ah bah du coup, elle est partie pleurer, elle. Oh là là, mais c'est franchement des humeurs un peu nawak. Hein. Prends un bain, cocotte, ça te fera du bien. Même, je vais prendre un bain de mousse. Toi, tu vas pas être hystérique, hein, vu tous tes moodlets pas terribles. Oh, qu'est-ce qu'elle a, elle? Partenaire volage? La moitié de Margaret flirtait avec quelqu'un d'autre? Non, mais t'es sérieuse, toi? Non, 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 mais t'es sérieuse, toi? Il a rien fait, Albert. Non, mais elle a un grain, hein, cette meuf. Attends, va lui faire des mamours, là, parce que je crois que. Elle comprend pas, alors elle a du mal, là. Caresser la joue. Albert, attends, il a parlé avec sa mère, avec sa sœur, et toi, t'es jalouse. T'as un grain, hein? Ouais, ah ouais, non, mais. Mais t'as, ils vont se battre ici, tu sais. Mais n'importe quoi! Mais il a été dragué personne! C'est hallucinant!
Je crois que j'ai des Sims. Oh là! Il s'est pris un vent monstrueux. Oh! Mais what? Mais je comprends pas là. C'est qu'ici, pourquoi? Il essaie de se calmer. Bah ouais, mais calme-la, hein, dis donc. On va l'attacher à un poteau, on va lui expliquer la vie, hein. Tu te prends pour qui, Marguerite, là? On t'a rien fait, hein. S'excuser, quelle élégance, mais il a rien fait. Non, mais ou alors c'est pas devant moi, hein. Pourquoi il aurait été draguer quelqu'un? Qui, déjà? Essayer de se calmer. Non, mais on va aller voir ça tout de suite, hein. Qui c'est qui pleure? C'est toi? Oh non, c'est elle! Non, c'est pas possible. Mais arrête! Embrasser sous le gui, vas-y. Et puis vous allez remettre ça une fois. Hop, et puis vous allez emménager ensemble. Puis on pourra dire au revoir à Gustave. Gustave, le petit roux de la famille. Ah, bah, c'est pas le seul, hein, mais c'est le seul qui reste, on va dire, hein. En tout cas, en mal, n'est-ce pas? Allez. Oh ouais. Dis donc, on va les épuiser. Hein. Mais toi, t'as un grain, meuf, hein. Non, je sais pas. Je sais pas ce qui est, pourquoi elle s'énerve comme ça. Je comprends pas. Tu es un mystère pour moi, Marguerite. Ah ouais, cette tête-là, là, qu'elle veut tuer les gens, quoi. Une espèce de folle. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié la copine. Tant pis, hein. Bon, alors, Gousse, va falloir que tu emménages avec ta douce et que tu quittes le foyer. Oh. Vivre ensemble! Wouhou! Alléluia! Jesus! Alors, le petit foyer, on va donc déménager Gustave et on va se retrouver à 6 dans la maison. Oh! Bingo, bingo, bingo! Alors, il est parti, Gustave, mais elle est là. Comme d'habitude, à chaque fois que je fais déménager quelqu'un. En tout cas, ça y est, hein, au bout de je sais pas combien de fois, on a réussi. On va avoir un petit de Saint-Paul tout roux! Youpi! Non, ça m'a pas manqué les roues. Hein. Je suis toujours en overdose de roues, mais. Là, c'est bien, hein, Gustave. Voilà, c'est le futur de la vie famille de Saint-Paul. Voilà. Toi, tu dors, toi. Toi, tu te dis, ouais, je vais taper une sieste. Tu vas surtout réparer la maison de poupée, aller pisser, prendre un bain, tout ça. Et toi, tu t'es calmé. Non, mais elle est sérieuse, hein. J'en reviens toujours pas, quoi. Pauline, la fortune. Non, on se voit pas sortir, non. Oh, tu peux apprendre à ta fille à aller sur le pont, moi. Ce sera fait, ça te fait. Oh, que c'est joli comme ça quand c'est pas allumé avec le feu de cheminée juste. Ah, oh, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Regardez. C'est beau avec les petites lumières et tout. Enfin, l'ambiance Noël et tout est vachement sympa, quoi. Je suis émue, je suis très en ligne. Ok. Pendant que Jojo est en train de pleurer, son fils. Ben, on s'en remet pas de perdre un enfant, c'est normal. Qui sait, peut-être cette nuit Pierre-Nard viendra et la réconfortera avec le zizi fantôme. Regardez un peu qui nous quitte. Avec le bidon rond. Attendez, je l'ai vu. Mais attends! Oh là là! Malotru, regardez-moi ça. Le petit bidon, le petit rouquin de Saint-Paul est dans le bidou. Ouais, le petit rouquin de Saint-Paul est dans le bidou. Wouh! Ah, les gosses. Toujours le bon moment pour nous casser les noix. Toi, tu vas retourner manger. J'ai dit non, tu t'occupes pas de ton enfant. Albert! Mais tant pis, hein? Il l'a fait. Toi, tu prendrais pas un bain? T'essuierais pas un peu? Non, bah, elle va se recoucher. Bon, bah tant pis, qu'est-ce que je vous dise, moi?
Ah, si finalement, il dit, ton idée, elle est pas mal, hein, prendre un bain, me détendre, tout ça. À minuit, hein? Bah oui. Bah oui, à minuit, c'est la belle vie, hein? Oh, mais ça a baissé de ouf, leur truc, j'avais pas fait gaffe. Non, mais elle est folle, hein? Bon, je sais pas d'où est-ce qu'elle a vu que Albert allait draguer, mais j'ai peut-être fait un misclic en pensant que. Je sais pas. Là, honnêtement, j'en ai aucune idée. Donc, faudrait que je vois. Mais là, elle est sinon, je la considère comme complètement folle. Oh mon Dieu! Pourquoi. Oh, viens des deux. J'ai pas fait attention, mais je dois avoir un des deux. Il y a Pierre Nard ou Arthur qui s'amuse là. Bah, si c'est Pierre Nard, ça va faire plaisir à Jojo, hein. C'est qui? C'est Pierre Nard! Jojo Debout! Jojo Debout, va voir ton mari. Est-ce que tu peux l'appeler peut-être? Non, il est trop loin. Conversation profonde, ben oui, hein. Oh, ton amoureux, peut-être son petit ami. Mais vous êtes bizarre, vous, hein. Vous étiez mariés, mais vous êtes plus petit ami, hein. Oh, il dit, oh, des super décorations de Noël. Mais c'est trop bien, la décoration de l'hiver. Oh. Jouer la sérénade. Bon, Axénègue. Allez, petit crac-crac fantomatique. Ça fera du bien par où ça passe. Enfin, j'espère pour elle cette fois-ci parce que la dernière fois, c'était pas une réussite. Hein. Ho ho ho! Ho ho ho! Ça devient coquin par ici! Ça devient coquin! Pierre Nard et Jojo vont se retrouver! Tout doucement, sous la couette hantée, il y a un fantôme. Sous la couette hantée, il se passe beaucoup de choses qu'on ne veut pas voir. Hein, j'ai envie de dire, on va les laisser comme ça, tranquillement. Ah, je crois que je suis montée. Non, je sais pas. C'est parce que j'ai pas de place. Voilà. Bon, allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Ticket Challenge ou d'autres choses. Je vous embrasse très fort. Allez, salut. Wouh! Et une réussite! Yes!